Dans sa dynamique sur la route de soi, certains sont sans voix. Sentiment d'un regret. D'aucuns ont du mal à retenir leurs larmes. C'est le cas de sa sœur aînée, Bonnet Vert. Il pleut des larmes de part et d'autre. Les voisins et connaissances du Tierman ne cessent d'arriver en catastrophe. Bientôt, il n'y aura plus assez de place pour accueillir tout le monde. Le Tierman était très admiré ici. Quelques cadres du SDF qui lui sont restés fidèles jusqu'à sa mort n'en reviennent pas. Nous sommes fortement touchés et nous croyons que, ayant joué sa partition, le Tout-Puissant l'a aimé plus que nous et a voulu qu'il soit auprès de lui. Aujourd'hui, le Tierman est certainement déjà près du Seigneur Tout-Puissant. Et la famille SDF est fortement touchée et nous pleurons notre guide qui est parti. L'ambiance du deuil se dessine progressivement. L'une de ses filles dépoussière le portrait de son géniteur. Pendant ce temps, quelques concertations ont démarré entre membres de la famille au Cameroun comme à l'étranger pour accompagner l'homme politique à sa dernière demeure.